Alors, ensuite, alors vos premières questions directes, est-ce que vous avez des questions à poser? Donc, encore une fois, je réponds sur les questions d'ordre général sur l'harmonica. Je ne réponds pas. Ah, bonsoir Gaëtan. Pareil, Gaëtan, si tu veux bien régler ta caméra pour qu'on te voit complètement. Voilà, on te voit mieux. Super. Oui, donc voilà, si vous avez déjà des questions à poser, donc je disais, hein, je réponds aux questions sur l'harmonica. Je ne réponds pas aux questions précises sur les cours, ce qu'il y a. Enfin, si vous posez une question sur le module 3 de telle formation, je ne vais pas y répondre. Ah, Jacqueline est ici. Oui, donc je disais, est-ce que Jacqueline veut bien se présenter à nous? Alors, bonsoir, alors je vais juste activer le micro de Jacqueline. Et on accueille Bornarel et Jean-José. Alors, Jacqueline, hop, voilà, le micro est ouvert. Est-ce que ça vous dit de vous présenter à nous, puisque apparemment, on ne vous connaît pas encore? Non, bah c'est la première fois que j'assiste à votre agora. Alors, dans les pratiques, on a tendance tous à se tutoyer, donc je ne sais pas si ça vous dérange Ah ouais, non, impeccable. Très Super. bien. Entre artistes, on se tutoie toujours. C'est vrai. Il y a des artistes ici. Voilà, donc si tu veux bien te présenter, donc, enfin, je ne veux pas te gêner, mais simplement en quelques Oui. mots, nous dire qui tu es, pourquoi, bah, qu'est-ce que tu viens faire ici, qu'est-ce qui t'attire ici, si tu joues déjà de l'harmonica, quel est ton parcours, ce que tu cherches à faire, ce genre de choses. Ben, je débute juste, donc j'ai tout à faire, tout à apprendre. Et alors, Donc voilà. tu es déjà musicienne ou… Ah non, non, du tout, je connais rien. D'accord. Ok, et alors pourquoi l'harmonica? Pourquoi venir ici? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cet instrument et… L'harmonica, j'ai toujours aimé. Bon, je faisais de la danse country. Donc j'aimais bien l'harmonica. Et puis j'ai eu la chance d'aller à un concert de Milto. Deux fois, et c'est là où je me suis dit, Tu t'es dit? il faut apprendre à jouer. D'accord, à jouer comme Milto? Ah, c'est un rêve, ça. Mais enfin voilà, donc qu'est-ce qui t'a intéressé chez Mito? C'est le style, c'est le Ah blues. ouais, c'est le style, ouais, c'est fantastique. Ouais, quand on l'écoute, je trouve ça fantastique. Et c'est superbe. Y a quelques fans de Mito ici, je pense. Ah, d'accord. Là, il y en a déjà un, mais je pense qu'il y en a d'autres ici. Ok, et alors pourquoi l'école d'harmonica? Pourquoi cette école-là? Est-ce que tu as vu un petit peu ce qui se passait à droite à gauche ou est-ce que c'est un peu comme ça Ben, par je hasard? commence à me renseigner, donc voilà. Ok, super. Bon. Ben, j'espère que tu vas trouver tous les renseignements que tu cherches. Donc, Oui. le principe, hein, de cette agora, c'est justement de répondre aux questions de tout le monde. Donc, si tu as déjà des questions à poser, n'hésite pas, c'est le moment. Donc, soit tu les écris dans la fenêtre de conversation, soit, bah, comme je te donne la parole, tu peux enchaîner. Si tu as déjà des questions à poser, n'hésite pas à les poser, quoi. Non, pour le moment, non. Oh, Pas de ok. question. En tout cas, merci de ta présentation. Ben, merci. Voilà. Donc, Alain est en ligne. Ah, ben, Alain, on ne le voit pas souvent. Alors, Alain, pareil, réglage de webcam. Parce que là, on voit juste les yeux d'Alain. On ne voit pas son visage. Bon. Allez, Alain, peux-tu régler ta caméra? Bon, je ne sais pas si Alain nous entend. Il est juste peut-être en train de se connecter.